Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sarah Frézou et Ahmed qui viennent d'officialiser leur rupture. Alors qu'ils étaient en couple depuis le tournage de la Villa des Cœurs Brisés 5, il semblait y avoir des tensions entre eux depuis quelques jours. Lors d'un live sur Instagram, Sarah et Ahmed s'étaient d'ailleurs disputés et on ne les avait plus vus ensemble depuis. Vas-y, taille, s'il te plaît, ou là. Si, les gens, ils parlent de ouf, quoi. T'as dit quoi? Les gens, ils parlent de ouf, quoi, ça y est. Maintenant, tu t'es détendu, hein, une fois qu'ils ont dit que t'étais en train de mettre un paquet, hein. T'avais peur de passer pour... Vas-y, bref, arrête de me parler, s'il te plaît, retourne sur ta play, voilà. Qui dit, ouais, t'étais influençable. Mais influençable de quoi? De qu'est-ce que tu me racontes, là, en fait? Mais en fait, je m'en bats les couilles, reste sur ta play, frère. T'as vu, à un moment donné, quand je te demande de faire un truc et que tu viens, d'accord, quand toi t'es en direct et que tu me demandes de venir ramener ma gueule, je ramène ma gueule. Donc là, je suis en train de parler. Là, je suis là sur ma gueule depuis tout à l'heure. Là, t'es en train de me chauffer, en fait. Je suis pas. Ok? Si, tu veux parler. Les abonnés, je suis pas. Tu veux t'embrouiller? Arrête ton téléphone. Arrête de parler devant le téléphone. Si tu veux parler, arrête de parler devant les gens. Sur le corps, arrête de parler devant les gens. Merci de m'avoir mis sur mon truc, en fait. Bon, bah, les couilles. Tout à l'heure, Sarah a annoncé la nouvelle et elle a supprimé toutes les photos d'Ahmed de son compte Instagram. Le jeune homme, qui est apparemment très triste, a quant à lui seulement posté une jolie déclaration d'amour à Sarah. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Donc les amis, avant que tout sorte à tort et à travers, moi et Ahmed, c'est terminé. C'est terminé parce qu'on s'entend pas tous les deux, je pense. Ah oui, racontez pas votre vie, hein. Ça vient de terminer aujourd'hui. Hein. Donc les gens qui disent que c'est terminé depuis quelques jours... Pas du tout. Ça s'est terminé aujourd'hui, il n'y a rien, en fait. Quand ça va pas, ça va pas. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les langues de pute, commencez même pas à parler. Il y en a plein qui vont dire le karma, je sais pas quoi, Rubini Carrage. Je m'en bats les couilles, en fait. C'est que vous avez pas compris, il n'y a pas de karma. C'est la vie. C'est comme ça. Et commencez pas à parler, hein. C'est quelqu'un de bien. Rien à dire, mais c'est juste... Bah, on n'est pas fait pour être ensemble. Je sais pas, il y a une histoire de Mektoub et quand votre Mektoub, c'est pas celui-là, bah, vous passez à autre chose. Voilà, tout simplement. Donc, ça sert à rien de l'accabler lui ou je sais pas quoi, ou nanana. Il n'y a rien, je ne cracherai jamais sur cette personne. Et voilà, c'est tout, tout simplement.